Avril 2024, moi c'est Jacques Lavelizer. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Actualité à concernant le pays d'Haïti, installation conseil présidentiel transition toujours dans impasse pendant condition la vie population continue à détériorer. Ici aux États-Unis, premier ministre japonais Fumio Kishida prend la parole devant congrès américain dans quatre sommets entre trois pays, États-Unis, Japon et Philippines, à présence Ferdinand Marcos Jr. Dans le Moyen-Orient, guerre Israélo-Hamas, leader suprême Hamas là, Ismaïl Haniyeh, dit proposition Israël pour un cessez-le-feu pas répondre à aucune condition Hamas. Et puis, ici aux États-Unis, ancien footballeur épaules carrées noir américain O.J. Simpson mourit à un cancer, il était gagné 76 ans. Oui, c'est pour ça, yo. Avec l'autre encore, nous allons développer pour dans un petit moment, mais gros. Bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment qui est qui côté, ou attendez et regardez en même temps, nouvelle édition La Voix de l'Amérique. Ça, Diane Abdou, bienvenue sur la chaîne pour une autre vidéo de formation que nous portons pour aujourd'hui. À côté, nous allons faire attendre édition si là, mais parmi quelques autres, pour dominer l'actualité que nous portons pour vous, et bien, faut qu'on est dans la ville Véon, Punta Cana, République Dominicaine, yon agent immigration dominicain violé yon adolescent haïtien de 14 l'année et puis menacé lui-même pour le pas révéler ça, et bien, bagaille la nommé la justice. Ancien milliers de terrain offensif que tout le monde connaît, qui c'est caca les mêmes, les joueurs dans Milan, c'est joueurs dans Real Madrid. Eh bien, pourquoi il est là, madame Likitel, et vous avez saisi pour qui ça? Après le département d'État américain, il a fini salier le conseil présidentiel, 7 membres, et vous avez 3 jours pour l'installer. Pourquoi il est là, il continue à patiner dans le dossier qui est pour avec le dossier installation conseil si là. Et de l'autre côté, il faut connaître Angleterre annoncé assistance pour force mission multinationale qui vient pour le Tavini sous pays d'Haïti. Il y a un gros rallye nous allons faire pour tout dessous-côté pantalon sous Miss Bouddha. Pour ça, il y a un l'autre qui nous votons pour l'édition journal ça. Mais avant même nous entrer dans pour ça, il y a deux actualité. Pas oublier abonner avec channel là si c'est pour la première fois que vous tombez sur le pas oublier activer la cloche notification à tout mettre sur tout pour pas rater aucun vidéo. Pas oublier quitter un like tout sur vidéo et partager avec vos amis et vos familles. N'a quitté avec édition La Voix de l'Amérique là puis devant n'a venir avec reste détail pour vous. Point cap dominer actualité c'est ça qui a passé dans le pays d'Haïti. C'est dossier pays d'Haïti qui tout partout ici aux États-Unis dans forum dans panel discussion. C'est comme ça et ben assistant secrétaire d'État américain et Brian Nichols c'était participé dans un forum sur situation en Haïti dans New York, un forum qui était réuni entre autres Monique Kleska et Gary Pierre-Pierre dans un panel discussion. Reportage Valérie Saint-Louis depuis New York. Création du conseil transition qui responsable pour choisir prochain leader Haïti imminent. C'est un sujet qui t'a débattu hier mercredi pendant un forum qui t'a déroulé sous crise tête chargée ça qui a bouleversé Haïti. Débat était très chauffé pendant forum ça. Brian Nichols, assistant secrétaire d'État américain pour affaires hémisphère ouest là, t'a dit que conseil 9 membres t'a formellement installé en Haïti pas plus tard que semaine ça. Il était parlé comme ça pendant événement forum ça dans New York qui était organisé par conseil relations affaires étrangères. Officiel a envie ouais conseil là en place pendant que Haïti dans la troublaille, en bas un vide dans pouvoir. A premier ministre là qui bloqué de leur pays. Et pays a lui-même qui a souffert de violence gangue qui presque fin tout fait capital pour ton presse là, avec zone qui entoure lui. Violence gangue forcé plus passer 53 000 mouns sauvé quitter zone côté autorité a, dans ce même qui sont passé là. Yo. Principal port maritime, à l'aéroport Haïti, a été fermé. Ça qui coupé aide important ça qui t'a supposé rentrer dans le pays a. Et expert yo averti que grand goût avec maladie a augmenté dans le pays a. Brian Nichols t'a dit pendant le forum que, map cité, pas une pire crise humanitaire dans le monde aujourd'hui a, passé ça qui a passé en Haïti a. Gangue t'a commencé à attaquer l'institution principale à travers Port-au-Prince depuis date 29 février. Yo t'a ouvert coup de zame sous principal l'aéroport international PIA qui était fermé et puis il était attaqué commissariat à la police et depuis gros prison dans PIA côté que il était libéré plus passé 4000 prisonniers. Nations Unies avec bureau droit monde qualifié situation Haïti de catastrophique. Il fait remarquer que plus passé 1550 monde est mort avec plus passé 800 blessés dans fin mois mars là. Création conseil transition qui prend gain 7 membres qui gain pouvoir pour voter pour choisir prochain premier ministre à cabinet li en Haïti pas suffit pour résoudre immédiatement problème qui gain en pile racine dans PIA. Brian Nichols s'est dit pendant forum que c'est pas seul bagage ça qui nécessaire pour résoudre problème PIA. Pendant forum ça qui duré une heure temps madame Monique Kleska, qui dit même t'es participé tout, qui c'est un écrivain haïtien et qui membre groupe Montana, t'es critiqué Brian Nichols parce que t'es supporté pour le ministre Ariel Henry. Il t'a accusé Brian Nichols comme quoi il est incompétent et il est responsable condition ça qui fait que le pays a vint détériorer. Paneliste qui t'a participé dans le forum dans New York, t'es demandé pour qui ça gang qui contrôle les 80% pour ton principe, il n'a pas participé dans la négociation ou soit dans la création conseil de transition. Brian Nichols te répond pour dire qu'il y a un dialogue large, inclusif, pas
parmi tout secteur dans société a. C'est certainement yon bagaille qui vaut la peine pour nous garder. Mais l'ité dit tout que yon pas qu'à mettre intérêt gang yon devant intérêt citoyen ordinaire qui yon même respecté la loi. Brian Nichols dit que yon besoin solution qui visait vraie raison pour qui ça moun entrer dans gang yon en premier. L'ité dit faut qu'il y ait accès à éducation, à opportunité de travail, à programme formation. Bon côté pas le Monique Lescat a ajouté que gen besoin pour changer identité sociale moun yon. Faut que concentrer plus sur l'école et travail. Gary Pierre Pierre lui-même tout qui a participé dans forum ça, il était sous panel là tout. Fondateur journal nouvelle sur internet de Haitian Times qui basé dans Brooklyn, a déclaré lui-même que politiciens haïtiens yo ak élite pays a appuyé gang yo en cachette depuis longtemps pour servir intérêt pa yo. Il était plein dit que officiel yo pas consulté ni parlé à diaspora haïtienne en mitan crise là. Gary Pierre Pierre a fini pour dire que sécurité c'est un problème à court terme que nous ka fait face avec lui, mais rassembler société haïtienne ça a pris lieu des filles réelles. Panéliste de discuter dans forum ça sur situation économique et politique à augmenter en Haïti a, était concentré sur crise humanitaire et façon de stabilisation pays a capable affecter région et peuple haïtien qui ni en Haïti ni à travers diaspora. Nous te discuter tout sur option politique qui gagne pour aider résoudre crise là et stabiliser nation. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Parlant de et programme alimentaire, discussion qui gagne sous situation dans le pays d'Haïti, problème gangouin. Mais d'après le programme alimentaire mondial PAM, violence plongée pays dans un grand goût qui exagéré. Gentil Augustin Junior. D'après le programme alimentaire mondial PAM, violence l'a plongé Haïti dans un niveau grand goût exagéré. Moi dans Port-au-Prince côté depuis la fin mois février gain violence. Violence ça la cause gros déplacement. Li la cause l'école fermée, espace travail yo fermé et puis n'a fait face à une crise humanitaire. Kounye ya, PAM a cherché bay population qui déplacé yo aide manger. Nous té rivé bay entre 20 à 30 000 repas chauds chaque jour. Problème violence cap saccagé Haïti ya côté gang armé yo bloqué capitale là. Port-au-Prince côté majorité activité économique Haïti concentré, ça qui vient empêcher marchandises circuler libre et libère. Côté port yo fermé, ça vient empêcher population joindre manger si tout ti moun yo. Evni Joseph, yon commerçant, t'ap expliqué importance manger gagner pour ti moun yo. Manger a frappé le bagage pour ti moun yo. Parce que gè ti moun qui vient là, il pa gè tan manger, kay paran yo. L'école la prend bonheur, y a pressé vini. Yo pa gè tan manger, manger a fait en pile pour ti moun yo et pour parents yo tout. Gèdè lè ti moun yo laisse sel manger ça yo manger ça veille yo rete. Gè pa fwa ou pa gen possibilité pour faire manger bay ti moun yo. Katia Joseph, yon commerçant, t'ap expliqué comment situation pays a k'ap empirer chaque jour, la cause li pa ka voye ti moun yo l'école ni joine manger pour bay yo à cause la vie chère k'ap augmenter chaque jour. On ti fait plus ou moins de mes vendeur pa ka faire marcher ensemble avec elle. Si moun pa ka manger, pa ka aller l'école concernant des marchandises k'ap monter, puis ap augmenter et puis yo pa prendre du temps pour augmenter les augmenter. Selon programme alimentaire mondial PAM, violence k'ap augmenter yo affecte marché yo. Commerce, moyen pour moun vivre et puis couper ville là ak res Haïti. Ça qui la cause grand goua rive nan yon niveau qui dépasse limite pour population haïtien yan. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Ça c'est crise alimentaire mais qui collé ou bien qui c'est conséquence même crise politique là dans pays d'Haïti surtout avec conseil présidentiel de transition qui poko ka installé. N'a bien pour nous retourner sur sujet ça dans pays d'Haïti ou bien sur actualité dans pays d'Haïti. Qu'on y a nous n'a retourner ici à Washington côté que premier ministre japonais Fumio Kishida il prend la parole devant Congrès dans cadre du sommet qui réunit États-Unis et Philippines avec Japon. Sandra Lemaire. Premier ministre japonais Fumio Kishida fait un discours devant Congrès États-Unis jeudi dans Washington, côté les mandés parlementaires pour considérer l'importance engagement mondial dans une époque côté tension montée ou en pile dans la région Asie-Pacifique. Là. En pile, même Congrès a posé question pour connaître si États-Unis t'a doué fouet bouche dans toute sa capacité dans l'autre pays. The defense of freedom, democracy and the rule of law is the national interest of Japan. Les idées de liberté, démocratie et la loi sont un bagage qui n'a intérêt national Japon. Le peuple japonais a pris un engagement total vis-à-vis du principe ça. Nous ne pouvons pas quitter derrière pour Timounio, une société côté a supprimé le monde, côté monde pas qu'à décider qui est-ce qu'a gouverné, et côté technologie digitale a contrôlé toute sa affaire. Moi, qu'on est, nous parlons ça non plus. Monitored by digital technology. I know you don't either. Kishida a visité Washington semaine ça, côté il fait s'attendait avec président Joe Biden dans la Maison Blanche. États-Unis accueilli la Kaili, tout leader salirele croix de la Carea, qui c'est une association qui pas officielle entre États-Unis, Japon, Australie et Inde. Ils considéré important pour contrer puissance militaire la Chine cap augmenter la région. Pendant ce temps, Kishida dit conflit ukrainien pral gagner dans l'avenir, conséquences qui rivaient loin. Kishida dit parlementaire américain, Japon pral continuer camper bon côté Ukraine.
Déclaration ça yo te soulevé en pile bravo pour côté plus fort parlementaire yo qui t'est levé campé pour montrer approbation yo. Cependant, gagne un groupe conservateur le duo qui t'est resté chita yo même. Gagne l'autre parlementaire qui pas assisté discours qui donc c'est employé qui travaille pour yo qui t'est chita dans siège yo. Pendant discours, Kishida t'est insisté sous valeur engagement États-Unis prend pour sécurité mondiale. Et puis il bail assurance que Japon représente un partenaire puissant pour États-Unis. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Merci Sandra Lemaire. N'a pas rappelé que Premier ministre japonais Fumio Kishida a visité Washington dans le même moment tout gagné président pays Philippines Ferdinand Marcos Jr. qui l'a tout dans le cadre influence Indo-Pacifique. Là, nous parlons de la région Moyen-Orient. Militants Hamasio pas d'accord avec proposition cessez-le-feu Israël fait malgré soldats israéliens yo tout y est trois petites lits à quatre autres petites petites lits. Jean-Robert Philippe dit nous décision s'assemblée prend malgré États-Unis a pas encouragé leader Hamasio pour eux-mêmes pour accepter proposition Jean-Aubert, mais gain mes ententes bagala pour clair. Effectivement, je dirais qu'il beaucoup clair et l'en mort trois petits garçons et l'idée à Masla avec petit Lioto vient compliquer situation ça dans même moment que États-Unis a fait effort pour et encourager et Hamas pour accepter proposition mais son proposition que la Hamas qui va marcher ensemble. En temps et premier ministre israélien dit lui-même et guerre a fait contre Hamas a continuer sans garder pendant que la prépare tout pour le temps en cas que Iran lui-même a préparé dans sa queue à préparer une attaque contre Israël. Leader groupe militant Hamas, Ismaël Haniyeh, déclaré attaque soldats israéliens ont fait dans le territoire Gaza côté retour trois petits garçons lits avec quatre petites lits, pas affecté conditions disposées pour un cessez-le-feu. Attaque Israël sur machine qui a transporté victimes, rivé dans le moment administration Biden a mandé Hamas pour accepter dernière proposition cessez-le-feu temporaire. We're not going to stop until we do. The new proposal on the table. President Joe Biden, qui t'a accueilli premier ministre japonais Fumio Kishida, a déclaré non pas camper jusqu'à ce qu'il nous réussisse. Nouvelle proposition qui sous table là, c'est grâce avec Jeffrey Bill Burns, ballon en pied Hamas. Yo doit avancer avec proposition nous fait yo. Nous doit retourner otage la caillou, bay famille, mais tout joindre une autre cessez le feu 6 semaines. Hamas fait connaître après analyse proposition Israël là pas satisfait aucun dans demande Hamas fait yo. Média Israël rapporté premier ministre Benjamin Netanyahu ensemble avec le ministère de la Défense là Yoav Galant pas trop courant de opération que l'armée avec service renseignement était coordonné. Nouvelle rapporté, il était visé trois petits garçons leaders Hamas comme combattants et non parce que ces petits garçons leaders politiques Hamas là. Victime yo t'a visité famille yo dans un camp dans Cisjordanie, les militaires israéliens ont été bombardés machines qui t'a transporté yo. Pendant ce temps, militaires français ont lagué 10 tonnes d'assistance humanitaire dans le territoire Gaza mercredi 10 avril là en coordination avec Jordanie. Président français Emmanuel Macron commande un cessez-le-feu immédiat pour limiter les dégâts parmi les civils dans le territoire Gaza avec libération de tout otage. Bon départ, porte-parole de l'armée israélienne, vice-amiral Daniel Agari, déclaré assistance rentrée dans le territoire plus rapide, jeudi, après pression pour faciliter l'accès pendant que les Nations Unies fait connaître. Quantité d'assistance n'a toujours pas suffi, comparé avec la quantité nécessaire pour satisfaire la demande humanitaire. Porte-parole de l'armée israélienne, qui a parlé de un nouveau passage dans le nord Gaza, déclaré qu'il y a 58 camions qui ont passé dans la zone après décision cabinet à prendre pour le travail avec partenaires internationaux pour permettre plus d'assistance sortie dans le port Ashdod pour rentrer dans le territoire Gaza. Famille leader Hamas l'a dit, il a continué à prier pour petit garçon leader mouvement résistance islamique Hamas. Benjamin Netanyahu déclaré jeudi 11 avril la guerre a continué dans le territoire Gaza sans camper. Pendant la préparer l'autre plan, dans un moment, il y a sauté comme quoi Iran a préparé pour attaquer Israël comme réponse pour la mort d'un général et 6 officiers militaires iraniens. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Washington. On a prêté toujours dans l'actualité internationale là, après OEA, c'était tout par Nations Unies pour recevoir dossier conflit Mexique-Équateur en Alouapisbré. Conflit diplomatique entre Mexique et Équateur continue à présenter nouveaux développements. Après réunion qui était déroulée hier mercredi 10 avril là, dans le siège organisation État américain à Washington, jeudi à Mexique présenté une plainte contre Équateur devant Cour internationale justice là, qui c'est plus grosse instance des Nations Unies pour descendre des liens policiers été fait dans l'ambassade Mexique dans Quito pour arrêter ancien vice-président équatorien Jorge Glass. Incident ça qui la cause rupture relations diplomatiques entre deux pays. Alejandro Celorio, c'est consultant dans le ministère affaires étrangères pays Mexique. Hoy día, con mucho orgullo, je dis à moi fier pour me déposer une
enquête devant Cour internationale justice là. Demain ça a visé pour Nations Unies suspendre Équateur dans l'ONU jusqu'à ce que il fait excuse pour yon bagay qu'on ça pas jamais fait dans région hein, même l'autre côté d'après Andrés López Obrador président Mexique. Para este de la denuncia. Que ça pas jamais répété encore dans aucun pays sous la terre. Que droit international garantit que en cette n'importe qui ambassade dans le monde rete yon espace inviolable. Monsieur Obrador a tout profité dans la conférence de presse pour remercier Tokay américain Joe Biden de ce qu'il condamné ça qui passé dans ambassade pays dans Quito. D'après les Mexicains, première réaction Washington yon dans premier moment était tiède, vague sans force. Et il dit position conseiller la Maison Blanche, la palette de Jack Sullivan était clair et l'attend même réaction bon côté Canada. Il y a plusieurs autres pays qui condamné Zaxa qui passé dans ambassade pays Mexique dans Quito, tant que Brésil, Venezuela, Chili, Argentine, Espagne, semblée Union européenne. Conflit diplomatique ça a été prené le 5 avril passé. Les policiers étaient entrés avec fracas dans l'ambassade Mexique dans Quito pour arrêter ancien vice-président équatorien Jorge Glass pour problème lié avec la justice pour magouille et malversation. Équateur mentionné devant OEA que yon moun ki gen problème avec la justice pas doit bénéficier asile dans yon ambassade. Vous souvenez ou à créole, vous suivez un programme dans langue créole haïtien. Actualité à dans pays d'Haïti dans un petit moment. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer ou pas oublier nous gagnons un programme qui passait à 12h30 qui est les sacs passés Haïti et au capable tout et consulter toute page nous yo sous internet là. Et puis actualité dans pays d'Haïti, réseau national cap défendre droit moun dans pays a RNDDH recensé pour pipiti 208 moun qui t'a mouri assassiné pour seulement 3 premiers mois dans l'année 2024 la soit mois janvier pour arriver mois de mars là. Détail avec Machado Vilme depuis Port-au-Prince. Dans un rapport organisation publié à mardi 10 avril 2024 là, fait connaître situation droit moun dans pays catastrophique en pile pour premier trimestre année 2024 là. Madame Rosie Auguste du Sénat, c'est responsable programme dans RNDDH. RNDDH recense sorti janvier donc pour arriver mars 2024 pour petit 208 moun qui mouri assassiné parmi yo 13 policiers et dans 208 moun sa yo qui victime yo gagné cadavre 55, c'est population Port-au-Prince, Delma avec Pétionville qui t'est levé découvrir. Nous recensé pour petit 5 attaques armées qui fait dans pays a dans Bedè, dans Croix des Bouquets, dans Belè, dans La Saline, dans Pernier et dans Gantier. Même dans RNDDH, nous pas gagné mécanisme pour nous capable contrôler toute cadre l'enlèvement suivi de séquestration contre l'ensemble. Cependant, nous quand même attirer attention l'opinion publique dans le rapport ça que Pipiti 48 t'a défrayé la chronique. Nous recensé tout 9 manifestations anti-gouvernementales qui étaient faites dans le pays, particulièrement en janvier et en février 2024. Côté 4 manifestants mouris, il y a 15 personnes qui blessés par balle, parmi eux 8 journalistes. Et il y a tout 3 autres journalistes que nous sommes censés être victimes d'insécurité, mais dans des circonstances différentes. Nous sommes censés 83 institutions, entreprises privées, publiques, qui attaquaient, vandalisaient ou bien incendiaient dans Port-au-Prince, dans les communes avoisinantes, mais tout dans quelques départements géographiques PIA qui autres que le département de l'Ouest. Là. Parmi eux, 19 postes de police. Il y a tout 5 tribunaux de paix, un tribunal de première instance. Nous sommes censés justement en pile-caille qui était pillé avant que bandits ou boulets, particulièrement dans Port-au-Prince avec Nandelma. Et Nandelma, c'est surtout au niveau de Badelma. Sorti janvier pour arriver mars 2024, gagné pour pipiti 2 évasions de prison qui ont enregistré, particulièrement dans Port-au-Prince avec Nan Croix des Bouquets, des évasions qui étaient très spectaculaires. Gagné une évasion dans un commissariat Delma 33 qui est enregistré, avec une tentative d'évasion de prison qui est enregistrée au niveau de prison civile chaque mail. Cependant, je dis à l'autorité pénitentiaire, pour qu'on dise nous rien sous évasion ça, alors que nous connaissons que la population attend bilan évasion ça. Pour éviter cette situation, cela débouché sur une crise humanitaire sans pareil, responsable faire conseil présidentiel transition qui a pour installer dans tête pays à diverses recommandations. Automatiquement que l'entrée en fonction, opérer des changements dans la chaîne sécurité pays. Deuxièmement, nous clairement demandé pour lui limoger directeur général police nationale la France LB pour incompétence caractérisée. Nous demandé pour rétablir conditions adéquates de sécurité pour permettre de déplacer yo retourner la caille, déplacer de l'insécurité. Toutefois, force de l'ordre continue à multiplier les efforts pour contrecarrer action gang yo pas boycite. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massado Vilme pour VOA Créole. Pendant ce temps, quand nous dit dans le commencement du programme, le Conseil présidentiel de transition a continué à attendre le gouvernement démissionnaire pour entrer en fonction. Pendant ce temps, il y a une coalition politique qui a fait pression sur l'équipe gouvernementale là pour publier nos 9 personnalités qui pourraient faire partie du Conseil présidentiel là. Et détail avec Renat Toussaint depuis Port-au-Prince. Il y a un point qui est actualité politique là en Haïti depuis plusieurs jours. Ces questions qui ont rapport avec des marches mises en place Conseil présidentiel de transition avec l'autre groupe qui continue à réclamer choix au juge Cour cassation pour capable assurer présidence provisoire pays. L'ancien député Ulrich Saint-Cyr
leader yon coalition politique, mouvement patriotique pour la vie, Mopal, yon structure yon dit qui regroupe plus passé yon 50 organisations sociopolitiques à travers 10 départements géographiques pays d'Haïti, dénoncer le fait que gouvernement démissionnaire Ariel Henry a pour qu'on voulait publier dans le journal officiel l'État, les moniteurs, non 9 personnalités qui fait partie conseil présidentiel transition. Li lancé yon ultimatum by messieurs dames équipe démissionnaire yon. Nous bail gouvernement ça qui en place là fait semaine ça pour finir avec question dilatoire ça et si yo pas prend main yo peuple haïtien a résoudre problème dans l'autre gens bon côté parle maître Liez Edouard ancien bâtonnier l'ordre d'avocat Barreau Miragoane conseiller CSPJ et actuel secrétaire exécutif Mopal plaider en faveur ouverture à corps politique qui déjà signé en différentes structures qui voyaient représentant dans conseil présidentiel transition. C'est pas le peuple qui a choisi conseil présidentiel là. C'est pas le peuple qui choisit organe de contrôle là. Eh bien, il y a une façon pour nous permettre que la population arrive à porter sa cap, n'a défendre. Il faut que gagne ouverture qui fait. C'est pour nous dans tout département, dans toute commune, mais dans deux sections communales, arriver gagne représentant dans sa cap fait là. Pendant ce temps, il y a l'autre secteur qui continue d'exiger choix et un juge pour cassation pour capable assurer présidence provisoire pays hein, pour résoudre crise politique là. Nous avons cité comme exemple Congrès Wanamet, Parti politique L'Ordre démocratique et Innovation et diverses lots. Où est-ce tout ça pour VOA Créole, Port-au-Presse. Et puis devant situation sécuritaire là qui pas améliorée, gouvernement reconduit couvre-feu à nous Yves Manuel dans Port-au-Presse. Dans l'idée pour établir l'ordre et prendre mesures appropriées pour reprendre contrôle situation, le gouvernement prolongé couvre-feu sur tout territoire national là, sorti mercredi 10 avril pour arriver mercredi 17 avril 2024 entre 7h10 pour arriver 6h matin selon un communiqué gouvernement météo. Équipe gouvernementale qui est basée sur l'article 3 avril 2024 qui instaurait état d'urgence sur tout département de l'Ouest pour une période de 8 mois. Pendant état d'urgence, toute manifestation sur voie publique là interdit la journée ou la nuit dans le département de l'Ouest. Li rappelé force l'audio recevoir l'ordre pour utiliser tout moyen légal à disposition dans l'idée pour faire respecter couvre-feu et arrêter tout contrevenant. Comme 11 arrêtés qui prend déjà yo, mais ça pas applicable à agent force publique yo qui en service, pompiers, ambulanciers, personnel santé et journalistes qui identifié. Premier communiqué a te prend un jour après attaque qui était faite contre deux principales prisons dans le pays, côté près de 5000 détenus sauvés dans prison sa yo. Gouvernement te décrété état d'urgence à couvre-feu sur département l'Ouest dimanche 3 mars 2024 dans soirée. Depuis l'ESA, décision renouvelée presque chaque 3 jours. Malgré couvre-feu, prend pour rétablir l'ordre et prend mesures appropriées pour reprendre contrôle situation, car on a installé pour la plus belle dans niveau zone métropolitaine. Gang coalition vive ensemble continue à simer la trouble. Population a vivre un véritable enfer chaque jour plus. Moi c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Créole. Merci Yves Manuel. Donc situation toujours été compliquée dans le pays d'Haïti avec problème de sécurité, crise alimentaire que nous capable s'entendre là et puis avec tout gon plusieurs et activités qu'a fait sur Haïti, débat qu'a fait tant que nous s'entendre là, té gen panel discussion dans New York, gen en pile l'autre encore qu'a fait. Donc n'a pas essayé au maximum joignio pour nous capable gen position diaspora sur ça qu'a passé dans le pays d'Haïti. Et puis ici aux États-Unis, et ben célèbre joueur football Zepol Carré ou Jay Simpson mouri hier mercredi après yon bataille avec maladie cancer. Serge Rodriguez, Abdino plus sous dossier ça. Ancien footballeur Zepol Carré noir américain O.J. Simpson mourit hier mercredi 10 avril là après un combat avec maladie cancer. Qui est O.J. Simpson exactement et surtout qui ça l'était représenté dans la culture états-unienne? Eh bien, c'était un personnage que mon pas de ignorer et que la justice t'a acquitté en 1995 comme non coupable dans la mort ancien madame Marielle. Verdict cela t'a provoqué gros palais en pile, il était tombé dans la société états-unienne comme un coup de l'oreille dans un ciel paisible. Malgré l'était échappé sans un grand fouillé dans un jugement pour assassiner madame américaine Blanche Nicole Brown Simpson, la ville était commencé à tomber en dégâts et il pas jamais capable de retourner dans place premier superstar noir ici aux États-Unis. Oriental James Simpson, c'est un complet ancien footballeur Zepol Carré, et bien il était fait dans la ville San Francisco le 9 juillet 1947. Maman était élevé sans papa parce que papa lui était abandonné, elle était gagné l'âge 5 ans seulement. Il était un petit genre rachitique dans la période d'enfance, mais ça n'a pas empêché de tourner un athlète, ça qui te permet de réaliser une carrière brillante dans le football Zepol Carré, qui donc NFL États-Unis. Il était pris un trophée joueur de l'année en 1973, dans l'époque il a joué dans l'équipe Buffalo Bills. C'est un homme qui était séduisant, charismatique, qui était bâti dans le joueur de Juice, qui donc joue en créole à cause initiale OJA, qui s'est abrégé pour
pour Orange Juice en anglais. Avant même de quitter carrière football américain, il était entré dans l'industrie cinéma Hollywood là, et spécialement dans série film cinéma Racine qui donc route qui était paraît en 1977. Présence naturelle sur écran a mené lui dans une carrière commentateur sportif. Il était marié avec Nicole Brown en 1985 dans deuxième noce li, et d'amener te fait deux petites poulets. Assassinat de madame Marilia a été venu replacer lui en bas de lumière actualité comme principal suspect dans sa monde considéré comme procès qui était plus spectaculaire et qui était allé plus monde dans 20e siècle là ici aux États-Unis. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Ou toujours sur VOA Creole, ou a suivi un programme dans langue créole haïtienne, nous presque arrivé dans bout programme là, rete branché. Et oui, nous pratiquement arrivé dans fin programme dans gros nouvelle là, c'est premier ministre japonais Fumio Kishida qui lui-même a visité les États-Unis et il gagne tout collègue lui en parlant de président philippinien Fernando Marcos Jr. C'est un coup yon sommet avec trois pays ça, les États-Unis, Philippines avec Japon cap déroulé là et nous souhaitons que le premier ministre japonais prend la parole devant congrès qui sont gros exercice que lui. Donc pour dans pays d'Haïti, et bien conseil présidentiel de transition qui est toujours dans pour passage pour qu'on qu'il est capable installer parce que grand pile réserve légale et technique qui a fait sous lui. Nous disons merci est-ce que l'autre information que nous porter pour et bien nous aller directement dans dossier viol qui fait en République dominicaine. Et bien plusieurs informations à bail sur dossier viol là et bien listen dia le tout les mêmes les bail détails des viols c'est là que immigration yo même yo ta fait dans ville Peru Punta Cana et bien yo ta accusé immigration dominicaine côté yo violé yon adolescente haïtienne les mêmes qui gen 14 l'année seulement et puis yo ta menacé le tout pour pas révéler ça pendant yon compte immigrant sans papier que yo même yo ta mené ces militant droit moun Santiago Molina yo même yo rapporté agent en les mêmes li té entré la caille victime nan et bien nan moment parent yo même yo pas ta là et bien li ta commet Zak si la, yon si la, eh bien, gouvernement dominicain li même li dit Zak sa fait sous haïtienne 14 l'année sa li même li pa prêté sans li même li pa pini. Pourquoi li la dominicain yon même yon pa première fois tout y a rentré dans dossier sa yon, eh bien, selon listen di al yon yon fait konnen nan yon article yon publié, eh bien, jeudi vendredi 12 avril 2024 la, yon fait konnen plusieurs agents kap travail nan immigration République dominicaine violé yon haïtienne li même ki ta gen 14 l'année seulement. Selon sa journal la li même li dit c'est un acte violence sexuelle qui fait vendredi passé dans zone Punta Cana République Dominicaine selon accusation qui fait dans paquet Bavaloa li même Tifia qui a 14 l'année et bien ça c'est plusieurs agents dans direction générale immigration qui relaient tout DGM et bien qui était violé c'est ça journal là lui-même lui dit pendant il fait comprendre une plainte qui déposé contre monde qui fait Zaksa sous ressortissant haïtien n'a précisé Tifia lui-même il était là car il pour contre lui joue ça action lui-même qu'il était passé en plus viol là victime n'a subi média a fait connaître ou tes accusé même menacé plusieurs fois pour touiller avec toute famille si toutefois yo t'a dénoncé action si là li rapporté après ça agent yo même yo té mené tifia na centre immigration région à côté yo té menacé pour touiller li li expliqué tout à cause des plaintes li déposé contre Jonan Bio procureur région et bien agent yo même yo t'a la caï tifia et puis menacé Lyon l'autre fois encore pour touiller avec tout parent ça c'est déclaration Santiago Molina dans journal dominicain lui même li rapporté li important tout pour nous rappeler Molina c'est un membre dans communication droit moun k'ap travay sous dossier si là face à accusation qui pesait sous dos agent sa yo même listen dial yo fait konnen gen gros enquête ministère public dans zone Véon li même qui trouvé dans zone si là Alta Gracia et bien en tête collé avec responsable dans DGM a dit responsable direction migration générale République Dominicaine n'a y a fait sous dossier et bien c'est pour ça procureur ville Rocio Garcia yo même yo annoncé depuis hier jeudi que victime là sous protection yo pour kounya là selon directeur immigration dominicain qui c'est Venancio Alcantara lui même si enquête yo t'a révélé une agent ça yo t'a impliqué tout bon dans dossier ça et bien il a révoqué yo pour yo ka al répondre question la justice et bien dossier a pas traité comme ça après parlant pile qui t'a fait et bien
sur dossier viol là, et bien gouvernement dominicain yo même yo dit Zak si là li fait sous haïtien 14 l'année li pa prêté sans li pa fini jeudi vendredi 12 avril 2024 la gouvernement république dominicaine là yo même yo garanti pa gen parti pris sous Zak viol agent direction générale migration yo même yo te fait sous miné 14 l'année ça qui gen nationalité haïtienne dans la zone Punta Cana. Autorité yo a mené enquête sur ça. Selon ça, journal Listen Diario lui-même li rapporté. Selon porte-parole présidence là qui c'est Omelo Figueroa, li dit oui, vraiment regrette parce que lui-même ça passé et puis li bay garantie ça pas pral rete sans pini. Li encourager population lui-même pour faire la justice confiance avec protection droit moun puisque yo gen pour devoir yon environnement sain nan yon respect mutuel entre étrangers qui sans papier yo avec agent immigration yo toujours selon ça journaliste ndial yo fait konnen sous dossier ça et bien gouvernement voye jeter toute action cap violer droit moun avec menacer intégrité physique yo même sous territoire dominicain quelle que soit nationalité avec condition moun là et bien selon ça porte-parole la présidence là les mêmes qui c'est Omelo Figueroa li ajouté et bien pour finir gouvernement dominicain continuer pour lui dit et bien li engager li et puis mettre toutes ressources qui disponible pour yo ka identifier avec traduire la justice moun qui fait zak malhonnête ça gouvernement li même li rappeler tout que li gen responsabilité préserver yon l'état ki chita sous droit avec valeur fondamental yo en tant que pays parce que li pap kite impunity blayi koli en République Dominicaine. N'ap rapplo c'est pas pour première fois Zak malhonnête sa yo même yo ap répété en République Dominicaine agent immigration sa yo yo souvent violé jeune femme haïtienne. Gen pile femme qui prend quoi yo même pour pas même parler, yo rete silence, yo pas dénoncer yo et ben Zak yo même qui continue à fait sou yo sans camper. Pourquoi il dit là année passée te gen yon ki te viole yon jeune fille nan aéroport international Las Americas la li même ki te vle ale Nicaragua et bien pourquoi il dit là c'est la kay jeune ti fi 14 l'année a ki mal fwa yo même yo al rentre yo viole ki donc République Dominicaine et bien depuis longtemps li même li pa jam pa viole belle ti jeune femme haïtienne yo sou rang pile ki pa parler là aussi bizak viol en bas mais agent immigration dominicaine yo mais yo même yo pas suspend fait ça d'après divers sources et bien gayon business van casse qui confirmé cap fait en Haïti d'après ça divers sources rapporté et bien gen moun ki exige pour eux même yo ba yo en fait de 2000 jusqu'à 5000 dollars pour yo vendre yon ka confirmé ça veut dire yon bénéficiaire qui confirmé ka permettre ou utiliser casse par là pour modifier information nécessaire yo et bien dans étape biographique information après ça ou même pour bay CBP1 et puis mandé autorisation voyage normalement. Haïti bagay yo prend blanc pour égarer yo continue à faire ça yo même yo penser qui bon et pour pourtant des fois c'est fouiller yon tout pi fond côté yo mette tête yo dans dossier qui pour avec dossier fait magouille. Daniel Johnson et bien c'est yon astrologue américain li même li arrivé touyer Marie-Li avec coup de couteau et puis jeter des petites filles yo même dans une machine avec toute vitesse avant même li mouri dans accident si là et bien avant éclipse solaire jour qui était lundi 8 avril 2024 là 3 jours avant éclipse là les mêmes influenceurs a fait qu'on est que apocalypse là arrivé et bien réveillé de côté li fait zak si là li touyer Marie-Li avec coup de couteau et puis li jeter des petit fil li yo li même nan yon machine avec toute vitesse avant même li mouri nan accident et monde la fini. TikTok lancé et bien TikTok like et bien yon nouvelle version cap faciliter utilisateur yo rentrer l'argent yo même pendant y a regarder vidéo utilisateur application pral capable collecter point les yo même yo regarder vidéo soti 60 pour 85 minutes. TikTok toti pou pran tout temps moun ki veut di inet temps pou 85 minutes et bien lè ou like contenu suivre nouveau créateur contenu fait partie méthode cap café ou gagner point pour capable faire l'argent sur TikTok avec a parler pile TikTok même la monétiser bagay yo pour moun fè ko bébé yon façon pour application ça li même li rete et bien pour ka pran plus attention moun pour même pour pas gagner pour gagner pour faire sinon ki rete regarder TikTok. Nous pour aller dans pays Brésil et bien pile monde qui connaît yo tande parler de Kaka. Kaka lui même qui c'est un ancien joueur football côté monsieur même te prend ballon d'or en 2008 yo et bien monsieur
pourquoi il est là qui était un nèg qui était toujours paraît sincère sur si tout dans jouer football lui c'est pas ton nèg qui était agressif du tout et bien ancien madame joue ça qui était joué Milan AC joué Real Madrid et plusieurs autres clubs encore Kaka lui même il était passé n'a pas connait madame Kaka quitté parce qu'il estimait jouer trop parfait pour lui a dit Kaka son nèg qui trop simple trop parfait pour madame nécessairement elle déclaré by journaliste matin mercredi 12 avril 2024 là pardon vendredi 12 avril 2024 là et bien dans une entrevue li bay la presse brésilienne et li reprend sous réseaux sociaux encore Carole Selico qui donc c'est nom dame là c'est Carole Selico ancien madame Kaka rapoursuit pour le dit que Kaka pour que jam trahim même un jour monsieur toujours bien traité monsieur ban mon famille qui merveille mais moi-même moi pas jam sentim heureuse comme femme parce que me t'ai senti manqué pour me t'ai arrivé dans niveau moun Kaka lui-même lié et bien Kaka était trop parfait pour moi c'est ça ancien madame Kaka lui-même li mette ancien militant terrain brésilien lui-même qui c'est un milieu offensif qui était connu jouer boule en pile qui donc dame n'a fait connait li voyer Kaka en l'air li pas attrape Kaka à cause Kaka lui-même li trop soi qui donc Kaka trop parfait bien peut-être li commander Kaka fait quelques bagaille dans relation et bien Kaka rien doit parler fait et bien s'entendre là femme yo même qui tout a fait moderne dans dernier les saio et bien li quitter joueur brésilien et bien gen femme pourquoi elle est là ou même ou capable gen amour qui donc parfait a parfait le pelle même c'est pas ça seulement le besoin c'est pas le ou pas tromper le simplement li besoin en pile l'autre bagaille toujours et bien c'est le cas des anciens brésiliens qui c'est Ricardo Isicton dos Santos Leite et bien c'est tout bon nom joué ça c'est même qui gen ti nom qui relé Kaka et bien madame li quitter pour trop sincère. L'autre information que nous portons pour vous, eh bien, il faut qu'on ait un mois après le Premier ministre Ariel Henry pour mettre le pays d'Haïti et eh bien tombé dans plus la misère après Ariel Henry. Il était annoncé que lui-même là pour être tête comme leader pays Caraïbes là si toutefois gagner un conseil ou bien quelque chose après pour remplacer. Dans moment leader politique haïtien rive joindre un accord pour former un conseil transition présidentiel qui pral diriger 22 mois dans tête pays a qui pral gagner mission pour rétablir l'ordre dans pays Haïti et bien côté désordre a continuer presque un mois après premier ministre Ariel Henry lui-même l'était promettre que lui-même la promettre démission lui et bien coup conseil là lui-même l'était fin installé d'après ça président dans capitale pays a lui-même la entrer pifon dans zone côté moun pa capable faire rien ou même qui gen pour avec dossier activité politicien haïtien yo vi rejoindre yon accord pour former yon conseil transition présidentiel et bien qui pour ta dire 22 mois qui pral gagner pour ta rétablir l'ordre dans pays d'Haïti et bien qui a subi instabilité politique avec violence gang d'après un document AFP les mêmes lité ouais lundi qui s'est passé à la conseil ça qui gagne 9 membres na tête li na bravo 7 qui ka voté avec des observateurs et bien gagne là-dedans représentant principal parti politique dans pays ensemble avec secteur privé avec société civile là et bien mandat li a bout dans date cap 7 février 2026 d'après ça qui était écrit dans texte qui AFP les mêmes lité joine et bien li pral remplacer premier ministre Ariel Henry qui était contesté Ariel li dit depuis les mêmes li ta joine yon conseil qui prend et bien l'a capable quitter tête pays en rappelo c'était 11 mars 2024 qui déjà gagné un mois passé là et bien conseil ici là li toujours a balancer des bords parce que pas gen moun ki wè avenir pour conseil là malgré son petit groupe moun ki wè conseil là lui-même li capable possible et bien majorité haïtien yo pas d'accord avec conseil ici là Angleterre t'a annoncé que eux même y a bail assistance pour force mission multinationale qui t'a gen pour venir dans pays d'Haïti et bien pendant une conférence pour la presse avec Tokay américain lui-même qui c'est secrétaire affaires étrangères Angleterre qui c'est David Cameron yo même yo annoncé pays a li pral disposer nouveau l'argent pour aider financer force mission multinationale là pour pays d'Haïti ambassade Grande-Bretagne là dans Washington annoncé nouvelle là et bien c'est sous compte officiel X li tweeté information si la Cameron annoncé une contribution de 5 millions de dollars 5 livres qui donc sterling pour déployé force mission multinationale la Cameron tout l'état visité Washington dans cadre d'un G4 pour correspondre pour Ukraine
dans la guerre la mené contre pays la Russie force support sécurité mission multinationale pour Haïti qui c'est MSS et bien gain support Nations Unies États-Unis Canada la France avec plusieurs pays dans Caraïbes là tout Cameroun mettait accent sur l'idée pour haïtiens diriger solution pour crise politique là et puis tacler insécurité à et bien à long terme selon ça le fait qu'on aime pour que ça vous pas dit pour haïtien décider faire affaire pour quoi yo toujours dans couler yo même pour yo fait dossier pantalon soud et bien pratique mettez pantalon en bas derrière et bien qui bol sauti c'est gros question qu'a posé et bien n'a venir avec quelques détails pour tendance mettez pantalon en bas derrière li même li pote non sanguin et bien en anglais li sauti dans prison États-Unis yo même dans l'année 90 prisonnier yo te kon mettez pantalon uniforme qui trop gros gros en plus yo même yo pas de ba yo sentiron pour propre sécurité yo qui donc gayon rimé qui t'a circulé sur réseau social yo dans pays Cameroun et ben li te vle fè kwè ki pantalon en bas derrière li même c'est un style prisonnier américain utilisé comme signe pour yo ka fè mas ici entre yo dans l'année 99 yo et ben dans l'année 2019 stop blabla cam yo journal camerounais te démenti rimé ça et ben pour yo style pantalon en bas derrière prend naissance li tout bon vrai et ben c'est dans prison américain yo mais c'est parce que prisonnier même yo pas de gain droit mettre ceinturon en pile rapé noir américain te vinn adopter style là dans l'idée pour soutenir camarade yo même qui était dans prison et ben gain tout qui était fait juste parce que ça yo même il était fait yo plaisir et donc dossier pantalon soumise bouda que haïtien yo même yo prend modèle ça pour yo net là et ben c'est dans pays les États-Unis dans année 90 yo yo fait connecter lui même li sorti détail si là qui en pile monde bay toute couleur qui était capable gagner qui donc soumettre là Haïti ou capable ou le vacabon ou capable venir plusieurs autres détails yo bay sur mais c'était dans pays les États-Unis que lui même li te prend naissance côté nèg yo même yo te obligé faire c'était par rapport qui sentiron yo pas de bay en prison et puis pantalon même te trop gros pour yo et pas de gain les choix qui fait comme ça LNEDH yo même mandé pour yo retirer France LB dans tête la police là et ben pour incompétence li même li gagné dans job si là dans diverses recommandations réseau national défense avec droit moun nan qui c'est LNEDH et ben yo fait dernier rapport qui était publié jour qui était mercredi 10 avril 2024 qui s'est passé là li mandé pour yo retirer directeur général la police là qui c'est France LB li même pour incompétence li dans l'idée pour rétablir conditions normales pour mettre moun yo même yo si qu'il est libre et libre et puis retourner la caillou dans document ça organisation droit moun nan li même de présenter niveau violence qui la cause moun pas capable si qu'il est ni gain accès déplacé avec ça yo gain combien yo ni joine service que yo même yo ta besoin tout et ben comme ça doit et pour lui nous risquons de tomber dans une crise humanitaire si toutefois pas gain aucune mesure valable qui prend compte tout ça yo réseau national défense avec droit moun mandé pour yo mettre campé yon conseil pouvoir judiciaire en plus nous doit joindre yon entente pour freiner greffe sans papier qui pays a les même la confronter là et bien pour activité yo même yo capable répondre si tout en dedans tribunal yo parallèlement dans 3 mois seulement et bien dans commencement année 2024 là déjà gain plus passé 208 moun yo même qui mouri 117 institutions privées coup public bandi déchouqué avec mété di fait là-dedans yo plusieurs moun koui kite kayo pour yo même yo aller dans grand site là et bien plusieurs l'école tout ensemble avec l'autre espace encore obligé fermer porte tout à cause des actes banditis là lui-même cap ravager pays d'Haïti mété sous ça c'est chaque jour Fédération gang vive ensemble à terroriser population et bien tout pendant prix produit même yo continuer à augmenter inflation dans pays là même li déjà passé à 20.9% et bien LNDDH recommandé pour gagner yon conseil présidentiel transition cap vinn opérer changement depuis nan rentrée en fonction liant particulièrement et bien a causé insécurité à l'état doit porter assistance sociale psychologique et puis économique avec victimes yo même qui déjà passé en bas main bandi ou bien dans tout sens réseau national défense avec droit moun nan mandé pour conseil présidentiel transition à vinn gérer ressources l'état yo nan manière
ça doit fait au lié l'argent yo même pour aller joindre gang yo avec zam et ben yo fait recommandation ça à cause des gens yo té remarqué ça té kon fait dans gouvernement premier ministre de facto Ariel Henry lui-même pendant li té sous pouvoir ou bien pour nous te cap di yo toujours sous pouvoir parce que Boavé c'est remplaçant PM nan malgré le transformé kounya nan ministre couvre fait pour fini organisation droit moun nan lui-même li t'a vle que yo fait un audit pour période 2021 rivé 2024 là sous diverses institutions étatiques yo institutions citées yo et bien c'est palais national primati ministre intérieur avec collectivité territoriale ministre planification avec coopération externe et bien ministre travail public avec communication office national pour grand monde qui c'est ona qui un gros gagote là dans là nous pas jamais entendre ça ou faire Stéphanie qui ont ba une liberté provisoire qui qu'on manger comme ou mais qui gagote comme ona ONDDH continue pour le dire autorité aéroportuaire national qui c'est AAN et puis office national aviation civile là qui c'est OFNAC et bien selon ONDDH France LB lui-même li pa ta supposé dans job si là parce que li pa réglé en insécurité à qui la cause inflation lui-même li descend vraiment bas là dans dossier qui gien pour avec dossier pays d'Haïti lui-même qui était déjà pas ta passé un bon moment n'a rappelé et bien Jeff Canaran lui-même qui c'est groupe gang ou bien chef gang puissant en tête qui c'est Jeff Gaulois ça et bien ici a montré sur internet là là dans une vidéo cap si qu'il est et pas de l'argent américain chef gang c'est là lui-même li gagné l'a montré côté nèg y a fait chaud avec l'argent et bien pendant majorité moun nan pays a yo pas ka vivre et bien bandi yo même yo à l'aise pour yo vivre pour yo montrer l'argent que yo même yo gagné selon ça institut haïtien qui c'est statistique avec information yo publié sur inflation et bien en Haïti côté inflation a passé de 20.9% et bien en janvier à 23% dans mois février 2024 là c'est plus 2.1% et bien l'autre côté d'après Pro Eco Haïti inflation li même li pi haut dans bloc grand sud là dans pays d'Haïti mes amis si tout bagay a monté inflation a monté pays li même la plonger a pile moun yo même yo wè nou pa konn côté n'a fait et bien pour RNDDH li mandé pour France LB la gibot li bay yon l'autre directeur la police li même pour wè comment li te capable faire yon l'autre coup de plume pour nous même nous te capable prendre un souffle dans dossier qui gen pour avec dossier insécurité li même k'ap valé terrain dans pays Haïti côté chaque jour les mêmes la vienne paraît plus difficile. Donc c'est là que nous mettons fin dans la vidéo nous pour aujourd'hui. Un grand merci avec vous-même qui t'a regardé vidéo ça jusqu'à la fin. Pas oublier une des meilleures façons que vous pouvez ou capable faire sentir travail n'a fait arriver sur vous c'est le quitter un like sur vidéo et le abonner avec channel là tout. Pas oublier activer la cloche notification mettre le sous toute une façon pour YouTube capable toujours notifier à chaque fois que nous poster une nouveau vidéo pour sur channel ça. Partager vidéo avec vos amis, vos familles, une façon lui même pour capable joindre information à tout et comme ça aider nous grandir communauté channel là. N'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable chercher information à quel que soit côté lié à l'aile passé à pour nous porter pour pas oublier sur channel ça nous pas fait information mais nous bail information Jean lié à dans n'importe là et bien ou pas regrette même une seconde que tout est abonné avec channel là parce que n'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable que vous informer sur channel ça quel que soit nouvelle là Haïti ou à l'étranger et bien ou a besoin ni sur channel ça sans retirer sans mettre. Eh bien, n'ap di au revoir tout le monde. N'ap revoir encore dans une prochaine vidéo, dans un titre qui pas trop long sous même channel ça.